Dieu a convoqué chacun de nous ici. Et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui, c'est-à-dire l'adorer, le contempler. Maintenant, reconnaissons nos pécheurs, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je me reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis dans la vie de mon âme. Et moi, je me descends. Et vous aussi, mes frères. Et priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Thank you.
Thank you.
De la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur qui vient. Avec lui, le fruit de son travail,
et devant lui son ouvrage. Eux seront appelés peuple saint, racheté par le Seigneur, et toi, on t'appellera la désirée, la ville qui n'a plus déféré. Parole du Seigneur. La lumière aujourd'hui a resplendu sur nous, un sauveur. Second reading. God does not judge us by our acts or by a report of human justice, but by His mercy. Hence, the Holy Spirit accompanies us to always hope for eternity. An extract drawn of St. Paul's letter to Titus, chapter 3, from verse 4 to 7. When the kindness and love of God as Savior for mankind were revealed, it was not because He was concerned with any righteous actions we might have done ourselves. It was for no reason except His own compassion that He saved us by means of the cleansing water of rebirth and by renewing us with the Holy Spirit, which He has so generously poured over us through Jesus Christ our Savior. He did this so that we should be justified by His grace to become heirs, looking forward to inheriting eternal life. The word of the Lord. Amen.
Bien-aimé, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance. Par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. From the Holy Gospel according to Luke. Luke chapter 2, verse 15 to 20. Now when the angels had gone from then into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see the thing that has happened, which the Lord has made known to us." So they hurried away and found Mary and Joseph and the baby lying in the manger. When they saw the child, they repeated what they have been told about him, and everyone who heard it was astonished at what the shepherds had to say. And for Mary, she treasured all these things and pondered them in her heart. And the shepherds went back glorifying and praising God for all they have heard and seen. It was exactly as they have been told. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu,
Ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Distinguées autorités, chers frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la fête de Noël, la fête de la naissance de notre Seigneur. Le Fils de Dieu s'est fait homme, comme nous, pour vivre au milieu de nous, pour rencontrer chacun d'entre nous, pour nous révéler le visage du Père. Cela exprime pour nous l'amour de Dieu dont la volonté est de sauver tous les hommes sans tenir compte de leurs conditions d'existence, pauvres ou riches, prisonniers ou hommes libres. Comme les bergers de Bethléem invités à aller adorer le Seigneur, nous, aujourd'hui, l'ange du Seigneur nous lance un appel. L'enfant Dieu est né pour vous. Allez vous prosterner devant lui. Jésus est né pour chacun d'entre nous. Il n'impose pas de conditions particulières pour aller à lui. Il est pour les riches. Il est pour les pauvres. Il est pour ceux qui sont rejetés par la société. C'est pourquoi il est né aujourd'hui dans cette maison d'arrêt de Bethléem pour vous libérer intérieurement. Personne ne peut vous empêcher d'être ami de Jésus, de fonder le sens de votre vie sur lui. C'est pour cela qu'il s'est manifesté à chacun d'entre nous. Il s'est fait connaître aux bergers, une couche de la société à laquelle personne n'accorde l'attention. Les bergers, ce sont des gens pauvres de cette époque. Ils ne sont pas de personnes qui ont de milliers de têtes d'animaux. Comprenons que c'est le cœur qui permet à un homme de rencontrer, d'aimer Jésus. Cela nous montre bien que l'enfant Jésus est venu pour nous tous. Le Seigneur a choisi cette condition d'humilité, de pauvreté, pour se révéler aux hommes. C'est ce que nous célébrons à Noël. Dieu se fait homme. Dieu est au milieu de nous. Quel honneur et quelle joie de voir Dieu qui partage notre condition humaine. Écoutons Saint Paul nous présenter ce que Dieu a
accompli pour nous par son Fils. Lui, donc le Fils, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Philippiens 2, 6 à 8. Saint Paul nous rassure que Dieu s'est fait homme pour nous enrichir de sa pauvreté. Dans cette maison d'arrêt, il vous est donc donné de contempler l'enfant Dieu. La naissance de l'enfant Dieu nous donne de nous considérer comme des hommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Lorsqu'un homme se trouve dans la condition comme la vôtre, le risque est grand pour lui de perdre son identité d'homme à cause du regard qu'il jette sur lui-même et de celui des autres. Mais Jésus qui est là, couché dans une mangeoire, lui dit: gardez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus qui est né invite chacun d'entre vous à venir vers lui, comme les bergers de Bethléem, pour redécouvrir le sens de sa vie, pour sortir du désespoir où il se trouve plongé. La naissance de l'enfant Jésus nous donne de ne jamais perdre notre identité de fils de Dieu. L'évangéliste Saint Luc nous montre Marie qui contemple son fils comme toutes les mères attentives. Les bergers révèlent à la mère, à Joseph, le père, tout ce qu'ils avaient reçu, surtout ce que le Christ apporte au monde entier. L'amour de Dieu manifesté aux hommes. La Vierge Marie a ouvert son cœur à toutes les merveilles de Dieu, ce que Dieu donne de meilleur au monde. Tout ce qui est mis en œuvre pour manifester l'amour de Dieu. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie a choisi la voie pour partager la volonté et la mission de son fils. Elle suivra son fils jusqu'au pied de la croix. Écoutez et méditez la parole de Dieu, c'est choisir l'essentiel à l'exemple de Marie, cette fois-ci sœur de Lazare, et s'engager à suivre Jésus. Je vous invite aujourd'hui à suivre l'exemple de Marie, la Vierge Marie, comme elle. Gardez dans votre cœur tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous découvrons tout cela dans la parole qu'il nous a révélée. Lisez et méditez la parole de Dieu.
car la parole de Dieu est une force. Elle nous conduit à la rencontre avec le Seigneur et transforme notre cœur, nous convertit. Écoutons Dieu inviter Josué à se nourrir de la parole de Dieu. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et tu réussiras. La parole de Dieu permet de découvrir le visage de Dieu, son amour pour l'humanité. Le prophète Isaïe nous dit que la parole de Dieu est comme la pluie qui arrose le sol et lui donne de produire ce qui est nécessaire pour l'homme. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. La parole de Dieu est pour nous une arme pour vaincre le désespoir, le découragement. Des personnes s'étant retrouvées dans la même situation que vous ont tenu bon grâce à la méditation de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Vous y trouverez la force nécessaire pour résister. À nous, vos frères, elle nous donne de redécouvrir chaque fois notre devoir de vous accompagner par nos gestes de charité, de ne pas vous oublier et venir vous rendre visite, comme le Seigneur lui-même nous y invite. Nous devons toujours vous considérer comme nos frères bien-aimés. Que tous ceux qui s'occupent de vos dossiers ne vous considèrent pas comme des numéros, mais comme des frères à aimer et à aider à sortir de cette maison d'arrêt. Que ceux qui vous accompagnent au quotidien vous voient comme leurs propres frères, qu'ils respectent votre dignité d'homme. Dans cet esprit, partageons la joie de Noël, la joie de la naissance de notre Seigneur. Certains d'entre vous reçoivent aujourd'hui la visite des parents, mais cela n'est pas le cas de tout le monde. Tous, partagez avec tous, que personne ne dorme affamé pendant cette fête de la naissance de notre Seigneur. Pensez à tous ceux qui n'ont rien, donnez-leur aussi de vivre la joie de Noël. Je sais que parmi vous, il y a une hiérarchisation bien établie que seul vous connaissez. Mais considérez-vous tous aujourd'hui comme des frères. Pas de violence à faire subir les uns aux autres, pas de brimade, pas de punition,
car le temps de Noël est un temps sacré que Dieu nous accorde. Que chacun vive un moment de paix réelle pendant ce temps de Noël. Accueillez la paix que l'enfant Jésus nous apporte. Frères et sœurs, célébrons dans la joie et la paix la fête de Noël. Le Christ est né pour nous tous. Church and her leaders. We pray for the Holy Father, our bishops, priests, deacons, and all those living consecrated lives. Almighty God, may the Spirit of Christ dwell in them, for them to be true bearers of the word to the ends of the earth. Lord, hear us. Let us pray for world leaders, and in particular for state authorities in our country, Cameroon. In example of the nativity of our Lord Jesus Christ, who was born in a manger, may they work for justice and peace, be humble enough to listen to the cry of the people and act accordingly. Lord, hear us. Prions pour les visiteurs. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous nos visiteurs présents et absents. Toi qui as cheminé avec eux pour ce désert à l'exemple des bergers,
pour adorer ton fils Emmanuel nouveau-né, comble-les de tes bénédictions, afin qu'ils témoignent de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, libérateur des prisonniers, qu'il te plaise de renouveler les cœurs de tes enfants incarcérés à travers le monde, en particulier ceux de cette maison d'arrêt. Que la présence de l'enfant Jésus parmi nous soit pour nous source de joie et d'espérance. Dieu miséricorde, écoute et prends pitié. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Prions pour notre communauté. Dieu éternel et tout-puissant, nous venons te confier notre communauté pour que tu fasses descendre ton Esprit Saint sur chaque membre, qui les apporte la grâce de la conversion totale. Pour recevoir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans un état de joie, de paix et d'amour mutuel. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur Jésus-Christ, toi qui te tiens au milieu des croyants, au milieu de nous, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille que nous formons et d'y répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la part de Dieu, le puisse nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de nativité que nous célébrons en ce jour. Un homme, un petit enfant s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ces fruits de la terre nous communiquent tes dons divins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Yeah.
Éternel, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante sainte pour te rendre gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et veille reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel fond de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les vêtements d'avenir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Samuel, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi paix très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Plus spécialement, nous prions pour nos ancêtres, nos aïeux,
nos grands-parents paternels et maternels défunts, tous les défunts de nos familles respectives, toutes les âmes du purgatoire, tous les bébés avortés. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Accorde-nous la grâce d'approfondir notre foi en ce mystère et d'y trouver la force d'un meilleur amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La lumière aujourd'hui a resplendi sur nous. Un sauveur nouveau nous est né. Une lumière est sémée pour le juste et pour le cœur sème une joie. Tel est le chant du psaumiste que la liturgie nous propose en ce jour. Jour béni, entre tous les jours, spécialement pour nous qui sommes détenus dans cette prison centrale de Douala. Mon Seigneur Samuel Kueda, archevêque métropolitain de Douala, vous êtes le messager que Dieu envoie nous porter aujourd'hui cette bonne nouvelle. Vous nous apportez le Christ Jésus, lumière des nations, lumière qui vient nous sortir des ténèbres du péché et de la mort. C'est là l'accomplissement de la promesse de Dieu envers son peuple. Monseigneur Samuel Kueda, archevêque métropolitain de Douala, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala deuxième, Monsieur le délégué régional de l'administration pénitentiaire, Monsieur le régisseur de la prison centrale de Douala, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, notre joie est grande en ce jour où nous vous accueillons dans cette cour à l'occasion de la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette célébration de la naissance du Messie, de l'enfant roi, nous donne l'opportunité de faire le bilan de l'année qui s'achève et de tracer les perspectives pour celles qui commencent. Monseigneur Samuel Kueda, archevêque métropolitain de Douala,
Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala deuxième, Monsieur le délégué régional de l'administration pénitentiaire du littoral, Monsieur le régisseur de la prison centrale de Douala, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, s'agissant du bilan de l'année qui s'achève, nous pouvons en être en joie, car malgré les conditions difficiles, cette année aura été particulièrement dense pour cette communauté que vous connaissez, et que vous connaissez d'ailleurs parfaitement. Elle a été marquée par la nomination d'un nouvel aumônier en la personne de Père Julien Sex-Guesson, en remplacement de Père Cédric Mapouata, affecté à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu qui veille toujours à envoyer un berger pour ses brebis qui sont dans ce pénitencier. Sur le plan spirituel, les événements suivants méritent d'être soulignés. Une célébration de l'effusion à l'Esprit Saint après plus de 6 mois d'intense enseignement. La consécration des membres de notre communauté à Marie, Mère de la Charité chrétienne, après une neuvaine qui lui a été dédiée. La mission au sacrement d'initiative chrétienne à 40 membres de notre communauté après les formations à la catéchèse. La participation de plus en plus massive des fidèles aux différentes célébrations eucharistiques et aux prières matinales. L'implication effective des fidèles dans la vie de la communauté à travers divers mouvements et différentes dévotions. Sur le plan de la vie communautaire, nous pouvons noter la mise en place d'un atelier de tissage des sacs en pelle et des fils dans le but d'apprendre un métier aux détenus et de leur procurer des moyens financiers par le biais de la vente de ces objets et ainsi faciliter leur réinsertion sociale. Le paiement des amendes et des frais médicaux pour les plus nécessiteux, grâce à vos contributions, des âmes de bonne volonté. Monseigneur Samuel Kweda, archevêque métropolitain de Douala, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala deuxième, Monsieur le délégué régional de l'administration pénitentiaire, Monsieur le régisseur de la prison centrale de Douala, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur. S'agissant des perspectives, 3 projets nous tiennent à cœur. La création d'un établissement scolaire au sein de ce pénitencier. La mise en place effective d'une antenne de la commission Justice et Paix dans cette prison. La diminution du taux de récidive. Si notre communauté a pu parcourir ce chemin, c'est grâce à vos prières, c'est grâce à votre assistance multiforme et votre sollicitude constante envers nous. C'est le lieu pour nous de remercier tous et toutes, particulièrement Monsieur le régisseur et ses collaborateurs qui sont toujours à notre écoute. Nous remercions également toutes les associations et ONG qui œuvrent à la communauté, notamment VOPS, CHASI, CHASSO, COE, le geste qui sauve, la communauté de l'Emmanuel, la jeune communauté des frères, des cœurs compatissants de Jésus et Marie, le mouvement du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Douala, ainsi que toute autre paroisse et mouvement qui nous assiste au quotidien dans cette communauté. Monseigneur l'archevêque, Mesdames et Messieurs, nous ne doutons pas un seul instant que par la grâce de Dieu, ce projet verra une avancée significative au cours de l'année qui commence. Année que nous vous souhaitons bonne et heureuse. Que le Messie apporte la lumière dans chacune de nos vies. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2018. Et qu'en toutes choses, loué soit Jésus-Christ.
Je vous en remercie de votre aimable attention. Excellences, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Douala et président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Madame la représentante de Monsieur le délégué régional de la mission pénitentiaire du littoral, autorités ici rassemblées, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Cette prophétie d'Isaïe, chapitre 9, verset 1, faite il y a près de 3000 ans, se réalise aujourd'hui pour la prison centrale de Douala. Je rends grâce à l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'offre en ce jour béni pour exprimer toute la joie du personnel et des détenus. Très heureux de vous accueillir en ces lieux à la faveur de la célébration de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre présence massive vient perpétuer la tradition établie dans ce pénitencier qui voudrait que son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Douala vienne chaque 24 décembre, nous sommes le 23 aujourd'hui, célébrer la fête de Noël avec la communauté carcérale de Newbel. La fête de Noël que nous célébrons aujourd'hui a pour nous une signification toute particulière. L'enfant Jésus vient surtout pour les pauvres et les personnes en détresse sur le bord du chemin. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous est-il précisé dans Marc, chapitre 2, verset 17. Jésus Emmanuel, celui qui sauve, vient en effet nous libérer de nos angoisses, du doute, de l'erreur, de nos péchés, pour tout dire de la déperdition éternelle. Très chers frères et sœurs en Christ, c'est un moment de grande allégresse qui nous est révélé dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 2, versets 10 à 14, lorsque l'ange dit au berger, « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Un grand sujet de joie. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre. » Le message de la fête de la Nativité est en effet celui de l'alliance éternelle avec le Seigneur Jésus, qui dit d'ailleurs lui-même selon Saint Luc au chapitre 2 verset 23, je cite, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Douala, les propos du dirigeant, de la dirigeante de la communauté catholique de la prison centrale de Douala il y a quelques instants, ont traduit à suffisance le bon état d'esprit et l'immense joie qui marque ce jour, les pensionnaires de cet établissement en général, et la communauté chrétienne en particulier. Votre présence ici procure la paix que nous implorons pour notre pays, le Cameroun. Votre présence nous rappelle aussi les valeurs essentielles que sont, entre autres, la fraternité, l'amour, la spiritualité. Votre présence conforte par ailleurs le discours millénaire sur la présence et la mission de l'Église en milieu carcéral. L'histoire religieuse de la Bible révèle fort à propos que les croyants ont fait la découverte de la présence du salut de Dieu en captivité et dans la privation de liberté. Dieu continue de soutenir les personnes en détention et c'est bien pour cela qu'il demande de rendre visite aux prisonniers. Matthieu chapitre 25, versets 36 à 40. Les pensionnaires de ces pénitenciers sont convaincus que votre lumière leur permettra dans la foi et la prière et par la grâce de Dieu de cheminer sans crainte dans la recherche de la vérité, du visage du Christ et de la vie éternelle. Votre philanthropisme manifesté sans cesse envers le monde carcéral est incarné dans le soutien constant que vous apportez
au projet structurant de préparation à la réinsertion sociale que conduisent vos missionnaires et particulièrement la sœur Jacqueline Atabon, actuellement en formation aux États-Unis. Pendant plus de 15 ans, elle a accompli dans cette prison une œuvre immense à travers l'ONG VOPS, dont les actions les plus marquantes sont l'aménagement et l'équipement de deux salles informatiques, l'une chez les hommes et l'autre au quartier des femmes, où sont dispensés des enseignements en bureautique et en maintenance informatique, avec le concours du Collège de la Salle. À ce jour, plus de 87 détenus ont obtenu des diplômes qui ont facilité leur insertion sociale après leur période de détention. Je cite également l'aménagement d'un atelier de couture pour hommes au quartier des condamnés, l'aménagement d'un salon de coiffure et d'un atelier de couture au quartier des femmes, l'aménagement et l'équipement du greffe et du secrétariat de la prison en matériel informatique, la construction d'une vitrine d'exposition et d'un cybercafé à l'extérieur de la prison, l'aménagement d'une unité de soins de première nécessité, la participation à la construction des hangars et son équipement en lit. En l'absence de la sœur Jacqueline Atabon, l'œuvre d'accompagnement du détenu dans le processus de préparation à la réinsertion est pleinement assurée par la sœur Gondeline, dévouée et engagée au service du détenu. Je saisis également la présente occasion pour remercier les autres associations d'obédience religieuse, à l'instar du Geste qui sauve et de la communauté Saint-Égidio qui vient de lancer en début de semaine la construction d'un château d'eau. Aussi, il est important de relever ces actions d'encadrement spirituel et matériel de nos condamnés à mort qui sont salués à leur juste valeur. Je n'oublie pas le COE, Centre d'orientation et d'éducation, qui vient de construire un atelier de couture équipé de machines de dernière génération. Cet atelier, désormais opérationnel, assure la formation des détenus volontaires à la couture dans le cadre d'une préparation à la réinsertion sociale. Je salue l'ONG Chazo pour son engagement dans la formation scolaire des mineurs. L'ensemble de la communauté carcérale par ma voix dit grandement merci à tous ces bienfaiteurs et présente ses excuses à tous ceux qui, à tous ces bien nombreux qui n'ont pu être cités ici. Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain, la communauté chrétienne catholique de la prison centrale de Douala, composée de 410 membres environ, est dynamique. Son dynamisme a la constance avérée à la lumière des actions entreprises et présentées par la dirigeante de la communauté catholique, témoin de l'engagement chrétien de tous ses fidèles à la recherche du visage du Christ. Je voudrais à ce titre saluer l'œuvre du père Cédric Mapouata, ancien aumônier, aujourd'hui appelé à servir en Côte d'Ivoire. Pour son remplacement, la prison centrale a accueilli avec joie au mois de septembre 2017 le père Julien Cesse Nguessan, nouvel aumônier catholique dont je salue l'engagement chrétien dans l'accompagnement spirituel des membres de la communauté chrétienne catholique. Le père Julien intègre un milieu où les différentes communautés religieuses vivent dans la paix et l'harmonie. Excellences, Monseigneur l'archevêque, mesdames et messieurs, je partage le souhait du dirigeant, de la dirigeante de la communauté chrétienne catholique relativement au projet de construction d'une école au sein de ces pénitenciers par l'archidiocèse de Douala. Je ne trouve d'objection à ce projet de développement de la personne humaine, tout comme je soutiens la demande de la mise en place de la commission diocésaine Justice et Paix. Excellences, Monseigneur l'archevêque, distingués invités, mesdames et messieurs, le problème le plus crucial de la prison centrale de Douala est son surencombrement. L'effectif total des pensionnaires se chiffre à ce jour à 3300 détenus, parmi lesquels 2076 prévenus. Ce nombre considérable, rapproché à la capacité initiale d'accueil de 960 places, donne à réfléchir quant aux problèmes induits de promiscuité et de dilution des efforts de l'État pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des détenus. Il me sied de rappeler à cet égard que les travaux de construction
de la nouvelle prison centrale de Douala-Ngoma ont effectivement débuté au cours de l'année 2016. L'entreprise chinoise Chinese First Highway Engineering Construction dispose en effet de 36 mois pour livrer le premier lot de construction des premiers bâtiments. Cette démarche de l'État et de ses partenaires au développement pour un mieux-être de nos détenus participe des enseignements de l'apôtre Jean qui dit que Dieu est amour et des cieux, l'Éternel entend le gémissement du prisonnier et délie ceux qui sont voués à la mort. Il est près de ceux qui ont l'esprit abattu. Monseigneur l'archevêque, les pensionnaires de New Bell par ma voix vous disent merci pour le don d'un bœuf et des paquets de riz de 5 kilos chacun que vous leur avez offert en cette année 2017. Ce soutien paternel rassure, autant qu'il donne l'espoir d'une vie plus épanouie au sortir de prison. Il y a tout lieu de relever que la lumière du Christ inonde de la prison centrale de Douala. Cette protection divine rassure à plus d'un titre, car Dieu est secours, il est le secours pour sortir de la détresse, et lui-même l'a dit dans Hébreu chapitre 13, verset 5, je cite, « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Aussi, à l'unisson, tous les pensionnaires de ces pénitenciers peuvent dire cette prière. Père éternel, nos temps sont entre tes mains. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous priant, Monseigneur l'archevêque, de transmettre à son éminence le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite, les salutations filiales les plus chaleureuses de la communauté carcérale de New Bell. Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Douala, de par votre présence ici ce jour, agrémenté par la commémoration de la nativité de Christ à travers la messe que vous avez daigné célébrer, que l'Éternel de son gré nous comble tous de sa grâce. Je vous souhaite, ainsi qu'à toute l'assistance ici présente, joyeuse fête de Noël et par anticipation, bonne et heureuse année 2018, année de santé, de prospérité et de longévité. Je vous remercie de votre aimable attention. À l'endroit de la chorale Saint-Jean-Baptiste de la prison centrale de Douala, je relève qu'elle est montée en puissance. À cet effet, en ce jour de grâce, le régisseur offre à cette chorale un don spécial de 50 000 francs. Je ne vais pas faire une deuxième méditation, mais je tiens de tout cœur à souhaiter à chacun d'entre vous joyeux Noël. Et par anticipation, en sachant que je ne reviendrai pas d'ici la fin de l'année, je vous souhaite également une heureuse et bonne année 2018. Je dis merci à Monsieur le Régisseur qui nous facilite toujours l'accès dans cette prison et qui permet à toutes les associations d'obédience catholique de venir assister les prisonniers, également à toutes les autres associations. Merci, Monsieur le Régisseur. Donc, merci à toutes ces associations qui interviennent ici dans cette maison d'arrêt. Alors, je voudrais répondre un peu à quelques demandes faites dans les discours
que nous venons d'entendre. Concernant la création d'une école, il serait peut-être difficile de construire un bâtiment ou un nouveau bâtiment, mais je demanderai à monsieur le régisseur si on peut mettre à notre disposition un bâtiment où nous pouvons accompagner tous ceux qui veulent se préparer aux diplômes, aux examens officiels. Ça veut dire que je m'entendrai avec les enseignants catholiques qui pourront venir ici dispenser des cours à tous ceux qui veulent étudier et obtenir des diplômes. Cela est bien possible. Mais l'organisation en elle-même devra être assurée par vous. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont enseignants, qui peuvent eux-mêmes enseigner. Nous allons tous nous mettre ensemble pour faire ce travail. Ça, c'est la réponse à la première question. Tout à l'heure, le régisseur m'a remercié d'avoir offert l'année dernière un bœuf. Est-ce que c'est une manière de me dire encore, de faire un autre geste? Je ne sais pas. Mais je suis encore prêt à offrir un bœuf. Ça sera pour le 1er janvier. Cependant, le bœuf ne viendra pas sur pattes. Nous demanderons à toutes les associations qui vous aident de s'organiser à préparer ce bœuf. Peut-être que nous serons obligés parce que selon le nombre, nous voulons que chacun ait un plat. Alors nourrir, imaginez-vous, nourrir 3000 personnes, ce n'est pas facile. Mais nous allons essayer de tout faire pour que chacun puisse avoir un petit plat. Mais nous ferons appel, n'est-ce pas, à toutes les associations. Et dès maintenant, nous allons nous mettre au travail pour cela. Et le repas, la viande de ce bœuf, vous l'aurez donc le 1er janvier. Alors, les autres points, nous essaierons autant que possible, ou les autres problèmes, de les résoudre selon les moyens dont nous disposons et selon le temps dont nous disposons. Donc, je dis merci à la chorale qui nous a accompagnés et qui a si bien chanté. Non, j'étais un peu jaloux parce que quelquefois en paroisse, je n'ai pas une chorale qui présente une telle prestation. Merci. Ok, merci à toutes les personnes qui viennent prier chaque année avec nous à l'occasion de la fête de Noël. Merci à nos autorités qui sont venues pour prier avec nous. Encore une fois, à chacun d'entre vous, joyeuse fête de Noël.
fait la vie. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tous les peuples, qu'il mette dans vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. L'essentiel est que chacun, dans son cœur, s'engage à aller rencontrer Jésus, aller vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui ouvre son cœur et il trouve sa place auprès du Christ. C'est ça qui est très beau. Merci. Merci.